cette première participation au Festival de Saintes était une expérience, en tout cas très, très enrichissante pour moi. C'était un grand bonheur de jouer dans ce bel endroit avec une atmosphère vraiment très propice à la musique. En plein été, enfin, c'était très inspirant et je suis très heureux d'y retourner cet été. J'ai déjà une chance énorme d'être d'une certaine façon voilà, engagé par plusieurs organisateurs. C'est ce qui n'est pas le cas de tous les musiciens, même les plus doués. Donc c'est une grande chance. Et après, évidemment, le plus dur, c'est de voilà, être réinvité. Ça ne se fait pas forcément comme ça. Et ce n'est pas non plus toujours lié au talent ou au succès du concert. Ce qui est primordial, c'est que les artistes reviennent parce que le public les aime avant tout. Voilà. Le programme du concert sera donc autour de Schubert et Schumann, donc deux compositeurs que j'aime énormément et que voilà, que j'essaie de défendre depuis quelques années. Il y aura donc la sonate en fa dièse mineur de Schumann, voilà, qui est un grand projet ambitieux du compositeur, une œuvre de jeunesse plutôt, très longue, très intense et passionnée. Ensuite, donc la sonate en si bémol majeur de Schubert, la dernière, donc qui est bien sûr un chef-d'œuvre. Déclic de la musique s'est fait très tôt. Je savais, je pense, vers l'âge de 13 ans ou 12-13 ans que j'allais faire de la musique. De quelle façon, je ne savais pas, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est une passion qui se révèle assez tôt. Après, bon, chacun a une vie différente. Ça ne m'empêche pas de douter non plus sur ce que je fais ou sur est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'est vraiment ce métier que je veux faire. Mais bon, je sais que la musique, c'est une passion et que même si on me casse un bras, et ben je pense que je continuerai au moins à en écouter et autant que possible à continuer à jouer aussi. Ouais. Thank you.
défauts de notre jeu sont parfois plus perceptibles encore en musique de chambre, parce que c'est directement lié à l'écoute qu'on a de soi, l'écoute des autres. Et je sais que oui, pour moi, la musique de chambre m'a fait et continue de me faire progresser encore. Voilà, c'est comme d'autres domaines, je pense, l'accompagnement de chanteurs aussi peut faire beaucoup progresser, transcrire des symphonies de Beethoven avec une partition d'orchestre et essayer de la retranscrire au piano, c'est aussi... L'important, c'est de s'imprégner de tout ce dont on peut s'imprégner. Ouais. Évidemment, je pense que Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Brahms, voilà, disons que je serais comblé juste avec ça. Mais après, bon, c'est différent, justement, on a cette chance et à la fois ce vertige au piano de répertoire tellement immense qu'on ne sait pas par quoi commencer. Et puis, je sais que chacun a ses méthodes. Et puis, au conservatoire, comme dans d'autres écoles de musique en Europe, on nous apprend, ce qui est sans doute très bien, plutôt à étoffer son répertoire. C'est-à-dire que pendant une année, par exemple, travailler un peu de baroque, travailler une sonate classique, puis aussi des œuvres plus proches de notre temps, et d'avoir comme ça un grand éventail. Et je trouve ça super, mais... Disons qu'aujourd'hui, dans ma façon de travailler, j'ai plutôt envie de m'immerger dans un compositeur pour vraiment le comprendre. Et je trouve ça très frustrant de travailler qu'une œuvre d'un seul compositeur. Essayer de mieux sentir chaque compositeur, ouais, comme une personnalité à part. Ouais.